Bonjour, bonsoir tout le monde à la Ronde Badet, direction l'Allemagne Euro 2024, la 7e édition, à savoir les quarts de finale qui te démarré journée jeudi à la. Mes amis, bagaille en pile, mais nous connaissons les résumé en deux dans sa guerre rapport avec journée Boulsila. Eh bien, Fort Jasper TV, Radio Nouvelle Lumière, nous comptons pour nous là ensemble avant. Et sans oublier WZOP, eh bien, qui relaye aussi là, nous vraiment très contents pour nous capables de partager petit moment ça ensemble avec nous. Madame, monsieur, eh bien, direction l'Allemagne, côté que y a joué dans sa qui a rapport avec 16e édition, nous avons gagné une rencontre entre l'Espagne et la formation allemande de football. Eh bien, bagaille la lui-même, n'est pas trop belle pour Allemand yo contre Espagnol yo. Jean que nous connaissons depuis que ça a commencé, yo fait qu'on est, c'est l'Espagne qui gagne plus bon boule. Eh bien, ça va prouver ça, jodi à la contre formation allemande là. Qui va nous dire plus? Eh bien, Roselyne Gillot, depuis Port-au-Prince Haïti, pral di nou sa k te genye nan rakoti la. L'Espagne, l'Allemagne. L'Espagne genye ekip Almond lan 2-1. Apre prolongasyon, on ap di ke ekip Almond sa. Et c'est la Kaeli que compétition sa li même l'a organisé en parlant de 17e édition championnat d'Europe des Nations. Malheureusement, plus de 24 ans, nous toujours poko ka joen yon e peyi ki ap organize kompetisyon sa ki arive remporte li. Donc Espagne li wè ke li sorti vainqueur apre nou kapab di de changement e taktik de coach Rahoja. On parle de la seleksyon espanyol, menm si genyen des joueurs ki ote kritike, des changements bien sûr, surtout avec Lamine Yamal ki te sorti nan match la. Mais l'Espagne arrive gagner l'Allemagne 2-1. Buteur yo c'est Dani Olmo dans 51e minute de jeu qui buteur et qui passeur également puisque Mikel Merino après alors recevoir un centre sous côté gauche là pour équipe espagnole là et puis Mikel Merino li mette tête là dans 119e minute de jeu qui t'apprend à le permettre que l'Espagne soit vraiment capable de sourire avec qualification ça pour les demi-finales. Par ailleurs, Florian Wirtz qui va débuter 89e minute de jeu t'apprend justement marqué pour l'Allemand yo, mais ça pas empêché que Espagnol yo passé sous l'Allemagne dans fameux classique ça que en pile moun te wè sous papier mais dans le jeu c'était loin de ça. Donc voilà, c'est comme ça ça t'est jodi a dans cadre quart de finale et 17e édition championnat d'Europe des Nations. On a dit que et équipe espagnole là pour attendre vainqueur entre France et Portugal là pour capable connaître qui est l'a croisé en demi-finale. N'a noté dans quart de finale ça Dani Carvajal dans 120e plus 5. Li t'apral wè li est expulsé après un carton rouge que monsieur ça t'apral bien sûr recevoir dans Mercedes-Benz Arena. C'est là que et Massa lui-même li t'a disputé. Donc voilà, qualification pour l'équipe espagnole 2-1 sous l'Allemagne. Merci tout le monde, c'était Roselyne Gillot. C'est là nous capé avec des brefs journées. Merci Roselyne Gillot. Eh bien mes amis, nous connaissons déjà Portugal contre formation la France là boulou le c'est vrai boule maté c'est vrai mais bagaille la pas capable janté à là mais pas oublier pour rencontre l'Allemagne et l'Espagne là nous qui quelques amis qui supporté nous on prend même pour rencontre si là alors même soit fait ça très important ou capable briller nous dans 561 255 3909. On nous rejoigne la Jenny Boss qui peut dire nous, nos amis Sayo qui est campé ensemble avec nous pour rencontrer l'Allemagne contre l'Espagne. Jenny Boss! Coupe d'Europe 2024, jeudi, a noté gagné Allemagne face avec Espagne. Malheureusement, Allemagne qui
pas arrivé dans demi-finale. Noué Espagnol yo mette pied sous couille à la dernière minute avec yon green goal qui pral fait 2-1. Allemand yo malheureusement qui pas fait partie de demi-finale là. Nous connaît travail n'a fait, c'est pas un travail seulement nous qu'a fait pour nous. Samo Gatenski qui pas jamais lagué nous dans 954 95 38 05. Li là nous a fait dommage dans caisse a fait pas là. Wesley Rimoval 561 502 06 62. Wesley là pour retirer Fatra la caillou et surtout appareil métallique, appareil électroménager, c'est gratis. Ou mettre les à Z Global Insure 561 612 41 11. Relé pour prendre information double action immigration avec madame Gary qui chez ta colle d'Elrey. Ses affaires pour bon la pap campé, nous pap campé, Fotia Sport TV pap campé. Numéro nous c'est 561 256 39 09. Sous besoin pour tes collaborations pour n'a toujours la voir. C'était Jenny Mars. Eh bien, n'a pas dit ou pral gagner la demi-finale entre l'Espagne et la France. Eh bien, nous connaissons demain, si Dieu veut, pral gagner de l'autre rencontre. De l'autre rencontre, à midi, pral gagner Angleterre contre la Suisse et puis la Hollande contre formation Tuklan. Dans ça qui gagne rapport avec de l'autre rencontre pour capable compléter les quarts de finale. Madame, messieurs, comme d'habitude, nous toujours contents pour nous là ensemble avec nous pour nous capable partager petit point ça. Mais pas oublier, nous te retrouvons nous dans ça qui gagne rapport avec 17e édition Euro 2024 là. Restez connectés pour Jaspo TV, la plus belle des télé. Dans moment ça là, c'est nous lié, relais dans 561 255 39 09 pour capable dire plus. Prochaine fois nous allons rencontrer, c'est pour ça qu'il y a un rapport avec la Copa América. Allez.